Vous allez bien? Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Une surprise pour quelqu'un là. Et on parle réellement pour moi d'une situation, pour certains, où on nous dit que c'est une surprise, c'est un pas en avant pour toi qui es dans une situation qui semble sans issue où je l'ai en ce moment. Voilà. On sent qu'il y a pas mal de tristesse ici, hein. Pas mal de chagrin. Et on nous parle d'échange, de communication, de révélation. Ça fait remonter dans les énergies. D'accord. Il y a quelqu'un là qui vient. Une personne un peu surprenante, une rencontre, sont plusieurs. On a l'impression que ce sont des personnes qui te choisissent. On décide de te choisir, ouais. On décide de venir vers toi. C'est drôle. On a l'impression que ce sont des personnes qui on tombe sur toi comme par hasard, ou on entend parler de toi comme par hasard. D'accord. Oui, par une personne. Il y a quelqu'un qui parle de toi là. Il y a quelqu'un qui parle de toi en termes super positifs. Ici, pour certains, c'est dans votre environnement professionnel. Il y a quelqu'un qui ne cesse de... Je parle de toi en positif, je parle de toi en positif. Donc, on a ces deux personnes qui commencent à s'intéresser à toi et qui auront envie de te rencontrer. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que c'est une situation où... Vous, vous avez l'impression qu'on ne vous apprécie pas ou qu'on ne vous prend pas en compte ou encore qu'on ne voit pas ce que vous faites. Alors que oui, on voit ce que tu fais. On voit comment tu donnes dans le pro. On voit comment tu gères aussi les situations de crise. Pour certains ici, vous êtes un géreur de situations de crise. Vous gérez bien. C'est bizarre. On vous avait mal jugé. T'as mal été jugé. Oui. D'accord. Tu sais, comme des personnes qui prennent ta défense. Bon. Pour certains, vous avez vécu quelque chose d'un peu déstabilisant ou d'un peu injuste sur votre lieu de travail. Vous avez l'impression, depuis ça, qu'on vous voit comme une personne mauvaise ou qu'on vous voit, vous voyez, comme une personne un peu, tu vois, farfelue. Et ici, on a quelqu'un qui vient, tu vois, comme rétablir la vérité dans une situation. Mais pourquoi cette personne? C'est une personne bien, la personne, elle fait son travail, elle avance, elle machin. Et on a une personne qui vous voit honnête et sincère, une personne qui vous voit donner sans compter, une personne qui vous voit vous donner. Quand elle commence à parler, il y en a une autre qui commence à parler. Comme si les paroles se libéraient. Comme si les personnes, elles commençaient à... Mais hey, tu es en train de mal juger là, tu vois pas bien. Ici, pour certains, on a l'impression qu'on veut vous envoyer plein d'ondes négatives sur votre lieu professionnel. On a l'impression, vous voyez, que vous avez
Un tempérament, un caractère, une façon de faire qui peut déranger. Mais vous ne posez pas de limites. Donc on a des personnes qui trouvent ça injuste et des personnes qui décident de et c'est bon. Nous, on va parler puisque personne ne veut parler. Nous, on va dire les choses puisqu'au final, ben, on voit que c'est toi qui te prends la foudre à chaque fois. Attends, t'inquiète, nous, on va parler. On a ça. Et par la suite, ben, ces personnes changent leur façon de te regarder, changent leur façon de te voir et décident elles. Si on était dans l'optique, imagine, t'es en CDD, de ne pas te donner de CDI, on change de direction et on t'apporte la stabilité dont tu as besoin. Si on était, tu vois, comme à te faire payer, entre guillemets, pour ce que certaines personnes venaient raconter, ben nous, hop, on arrête avec ce genre de médisance, on arrête avec ce genre de comportement vis-à-vis de toi. Vous a mal jugé, hein? Toi, alors, on t'a mal jugé. Cette situation prend fin. Toi, tu as juste été dans le lâcher-prise, tu t'es juste maîtrisé, tu t'es juste empêché de dire ou de faire des choses qui iraient éventuellement à ton encontre. Tu as eu le bon réflexe, le bon positionnement. Et au final, dans leur conversation, ce sont des personnes qui vont te montrer que c'est vrai. C'est vrai, limite, Monsieur Bernard, vous avez mal jugé. Comme si on pensait que c'est toi qui mettais la zizanie dans certaines situations. Comme si c'était toi qui faisais des problèmes un peu partout. C'est bizarre ça. Hein? Alors que toi, on voit que tu es dans ton coin. Il y a quelqu'un qui doit pas t'aimer là. Et du coup, par la suite. Donc cette situation, elle prend fin à ce côté où vous étiez la personne à abattre, hein, sur votre lieu professionnel, non, t'es pas la personne à abattre. On s'est totalement trompé sur ton compte. Ça va vous faire du bien parce qu'au final, les personnes qui sont masquées, entre guillemets, hein, seront démasquées. On pourra partir sur de meilleures bases ou en étant beaucoup plus serein. Et vous qui pensiez à quitter cet environnement, allez, petit coup de pouce, un petit truc pour que tu puisses reprendre confiance et pour que tu puisses réaliser aussi que c'est vrai que par moment le mensonge peut prendre l'ascenseur. Mais la vérité aussi peut prendre l'ascenseur. Il suffit d'un petit truc. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et ici, vous allez le voir, vous n'allez pas forcément comprendre. Pour certains ici, on voit que ça change rien. Hein. Vous me voyez comme quelqu'un de bien, c'est bien. Mais moi, je décide quand même de partir. Parce que pour d'autres, le choix, il est déjà fait. On a l'impression qu'on a déjà trop encaissé ou que certaines personnes au-dessus n'ont pas su mettre un holà ou un stop à certaines situations. Le côté, ça a été peut-être très mal géré ou du coup, on accuse des personnes alors qu'elles n'ont rien à voir, tu vois, dans certaines situations. Ça ne le fait pas avec vous. Donc, on a l'impression que vous tournerez le dos quand même. On va regarder quand même. Si tu trouves quelque chose. On a le bonheur. Est-ce que tu trouves un environnement dans lequel tu seras mieux après? On a l'impression que tout le monde se réveille au même moment. Mais pour moi, c'est une personne qui ose dire les choses, qui ose lever la voix, oui, qui fait que la situation prend totalement une autre tournure. On a le bâtiment, on a une proposition. On a des discussions, on a du changement, on a la chance. Oui, surprise. Oui. Oui, monsieur ou madame, vous allez trouver un nouvel environnement professionnel et quelque chose pour moi qui peut être même un peu mieux payé. Il hein. Faut qu'on le dise. Hein. Et on parle d'une société, d'une entreprise à proximité de chez vous. Voilà. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Donc, cas d'injustice réglé. Mais vous, par contre, une fois que vous êtes sur vos positions, vous êtes sur vos positions. Hein, on a l'impression, oh non, Bernard, on va te donner une augmentation. On n'a pas l'impression que ça joue énormément. On a plus l'impression que vous allez vous donner le temps. C'est bien, ça s'apaise.
Donc, le fait que ça s'apaise, ça me donne le temps moi-même de regarder comment je bascule dans un autre environnement. Mais on voit que de toutes les façons, quel que soit ce qu'on vous propose, pour certains, vous n'acceptez pas et vous décidez quand même de partir. Donc, de toutes les façons, vous avez votre libre arbitre. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.